Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Les amis, aujourd'hui on va parler moula avec 8 500 $ de cash prize à gagner. C'est pas souvent que ça arrive et c'est relativement simple d'accès, hein. Tout est dans le relativement. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, qu'attendez-vous pour nous rejoindre sur le Discord de la chaîne? C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les guides, les tips, les leaks, les tutos, les pronostics à venir, on en reparlera dans la semaine bien évidemment, de la Ligue Osiris, les pronos arrivent dès la fin de la phase de playoff, tous les vendredis, une vidéo sur les pronos et les pronostics ajustés le samedi sur le Discord, là où on renforce pour se blinder et plier le store. Je vous le rappelle, en 8 saisons, 7 saisons déjà écoulées, hein, les 7, on a déglingué les stores totalement. Tout le monde s'est fait plaisir. Tous ceux qui ont suivi à 100% mes paris sont repartis avec des stores vides. Les amis, donc je vous le disais, Lilith est en train de lâcher un peu de moula. C'est ce qu'il pourrait nous faire croire. On va étudier ça ensemble puisque il s'agit de plateformes que je connais plutôt très bien. Commençons par revenir sur une première info qui était passée sur le Twitter, relativement inaperçue même si on en avait parlé. Regardez, Lilith nous a sorti cette petite info. La première, hein, c'est pas laquelle cash prize, mais il y a quand même de la moula à prendre ici. Content Creator Programme, Apply Now, le fait que Lilith propose aux joueurs d'aller sur la Creator Zone, on va y aller ensemble, hein, et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne, pour tout simplement rejoindre le programme des créateurs et pouvoir monétiser potentiellement les vidéos que vous allez pouvoir faire. Alors, qu'est-ce que ça nous indique ça? Ça nous indique déjà que Lilith promouvoit sa plateforme, la Creator Zone, c'est une plateforme propre à Lilith et surtout qu'elle essaye de pousser un maximum de personnes à faire de la communication, à faire des vidéos sur le jeu. C'est ce que je vous avais dit, hein. C'est signe en général lorsque ça n'intervient pas juste après une très grosse mise à jour, par exemple en sortant une nouvelle civilisation ou au début du jeu ou à l'après, juste après un énorme patch. En général, c'est que le jeu perd un peu en vitesse, il perd dans les classements et donc que l'éditeur, le créateur, le distributeur du jeu essaye de le relancer grâce à la communauté. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire, vous allez le voir justement avec les rewards mis en jeu. Mais allons d'abord voir justement cette petite plateforme, à quoi elle ressemble cette Creator Zone. C'est relativement simple, regardons ça ensemble. C'est un site tout ce qu'il y a de plus classique et plutôt bien fait, il suffit de s'enregistrer et je vais vous expliquer après comment ça marche puisque j'avais déjà fait la démarche mais je n'ai jamais été plus loin, ça m'avait refroidi un petit peu, hein. Et qu'est-ce qu'ils nous racontent, hein. La création de contenu c'est votre place, votre passion, ils sont là pour nous aider, ouais pour vous aider Tevi, hein. Vous allez le voir, surtout eux qui aident, hein. C'est la seule moyen de communiquer, de collaborer officiellement avec eux et avoir des retours exclusifs, des cadeaux exclusifs, des outils exclusifs, hein, et un support de la contente créative, de la team de content creating de Lilith. Bon, déjà, c'est pas vrai, ce n'est pas le seul moyen de collaborer avec Lilith. Vous pensez bien que Shizgul ou d'autres, hein, même s'ils se sont inscrits par la suite sur cette plateforme, il faut savoir que Lilith a poussé les content creators, les créateurs de contenu à s'inscrire sur cette plateforme, mais ce n'est pas le seul moyen, puisque après vous signez, vous pouvez signer des contrats en direct avec Lilith, hein, j'en ai déjà eu, d'autres, bien évidemment tous les content creators, hein, en ont eu, ceux qui sont arrivés avant cette plateforme. Cette plateforme est arrivée il y a à peu près un an. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre, hein? On reçoit des outils exclusifs qui nous permettent de suivre notre contenu. On a le support qui est l'exposition, le support et la mise en avant par Lilith. Et on fait partie d'une communauté. Il y a même un Discord, hein, qui n'est pas lié à cette plateforme, mais un Discord officiel des créateurs de contenu qui joue au jeu de Rock, mais pas que Rock, hein, qui joue au jeu de Lilith, qui joue au jeu de les autres, hein, comme Call of Dragons, etc. Bref, il y a des Discords surtout. Et vous avez différents niveaux, apprentis, associate et partenaire. Et selon votre niveau, vous avez une rémunération ou pas. Regardez,
reçoit une compensation pour les contributions avec des récompenses monétisées, de l'argent tout simplement. Les autres ne l'ont pas. En niveau apprenti, c'est associate. Juste, vous recevez des cadeaux in-game. En partner, vous recevez vraiment là de la moula. Et en fait, le grade va être en fonction du nombre d'abonnés à votre chaîne. Je crois que partenaire de mémoire, c'est 10 000 abonnés à votre chaîne. Sinon, c'est associate et apprentice. Et après, il va falloir faire un certain nombre de vues sur chacune de vos vidéos. Et en bas, il vous met les créateurs stars. Évidemment, il y a Shizgul, il y a Volkin. Enfin, ils ont plusieurs créateurs stars. C'est logique. Hein. C'est du Lilith. On est sur quelque chose de plutôt classique. Ils mettent les vidéos en avant ici avec les tier list, etc. Bref, on est sur une plateforme qui est quand même bien faite. Et vous le voyez, créée par Lilith et Farlight. Ça reste Lilith. Après, pour vous inscrire, tout simplement, sign up. Vous vous inscrivez et c'est tout simplement réglé. Franchement, il n'y a pas plus simple. Une fois que vous êtes inscrit, vous mettez le lien vers votre chaîne et les liens vers les vidéos. Et automatiquement, en fonction du nombre de vues, il va regarder pour vous récompenser. Après, il demande quelques petits droits sur votre chaîne. C'est une plateforme classique, mais pourquoi c'est très intéressant pour Lilith, c'est que normalement, quand vous passez un contrat de content de création avec un éditeur ou quel qu'il soit, hein, que ce soit du jeu vidéo ou autre chose, hein, de la bagnole, de la cosmétique, quoi que ce soit, il vous paye quoi qu'il arrive. Il y a deux systèmes de paiement. Soit il vous paye au nombre de vues et de clics. C'est-à-dire, vous mettez d'accord et chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le lien que vous donnez, hein, le lien de content de création, eh bien, vous allez recevoir une petite partie de monétisation. 10 centimes, 1 euro, 100 euros, 10 000 euros, ça dépend tout simplement. 10 000 euros, j'exagère. Ça dépend qui vous êtes, évidemment, combien de vues vous faites. Et il y a un système aussi qui est lié à la vue où vous passez un accord. Disons que toutes les X milliers, dizaines de milliers de vues, vous touchez une rétribution. La Lilith, en passant par ce système-là, va minorer très grandement le nombre de vues et de récompenses qu'ils vont vous donner. Et donc, ils vont beaucoup moins vous payer. Pourquoi? Tout simplement, car les jeux comme Rock sont des jeux de niche. Et une vue sur Rock n'est pas égale à une vue sur un jeu Supercell qui est très réputé. Ou sur Candy Crush, etc. Les jeux de niche sont les jeux où il y a beaucoup de monétisation en jeu. Comme Mafia, par exemple, Mafia City. Beaucoup de monétisation et donc les joueurs ont plus de valeur pour les publicitaires. C'est très simple, ça me paraît complexe comme ça. Il faudra qu'un jour je fasse un live pour vous expliquer dans le détail comment ce mécanisme marketing est fait et comment la rétribution est exactement calculée, mais c'est très simple. Et là, cette plateforme est très clairement en faveur de Lilith. Le but est que tous les tout petits content creators ou les content creators de taille intermédiaire de Rock viennent sur cette plateforme puisque ça permettrait à Lilith de mieux contrôler, de mieux gérer et de leur mettre une rétribution très faible. Alors vous allez me dire, ne pas avoir de contrat avec Lilith, hein, mais avoir sa liberté ou avoir un contrat via cette plateforme, moins de liberté, mais toucher un petit quelque chose in-game. Moi personnellement, je préfère être tranquille, pouvoir dire exactement ce que je veux sur le jeu et ne pas être embêté sur des faibles, très faibles récompenses monétisées ou pas qu'il pourrait nous donner. Deuxième indication qui va nous montrer donc et qui va dans le même sens qu'il y a une petite perte de vitesse sur le jeu, sur la communauté et sur le nombre de téléchargements que doit obtenir Rock ces derniers temps, en plus de la vidéo que je vous ai fait il y a deux semaines. Regardons cette deuxième petite pub que Lilith nous a fait sur le Discord. C'est assez sur le Discord, ouais, sur le Twitter plutôt officiel. Regardez le New Rock Community Short Video Challenge. Eh bien, il suffit de cliquer sur un lien et regardez, c'est là qu'on peut gagner une portion des 8 500 $ de récompense, de prix. C'est une bonne initiative et vous allez le voir comment c'est fait. Je vais vous donner mes tips pour justement essayer d'optimiser. J'en ai déjà fait peu, mais j'en ai fait un peu des shorts sur Rock. Regardez, défi vidéo courte de Rock, hein, de la Rock, sa traduction elle est éclatée. Mars 2024, les dates du 22 mars 2024 au 12 avril. C'est très précis, respectez bien évidemment les dates. Hein. Il n'y a jamais de rattrapage ou de repêchage pour ça. C'est très simple. Comment participer? Vous créez une vidéo courte originale sur les commandants de Rock. Alors, une vidéo courte, c'est une vidéo d'une minute.
Faut savoir que sur YouTube, alors là, la plateforme, c'est YouTube ou Twitter, il n'y a pas d'Instagram. Donc, sur YouTube, une vidéo courte, c'est moins d'une minute, maximum une minute. Donc, vous faites une vidéo d'une minute, elle sera automatiquement détectée, pas de prise de tête, respectez bien le format. On n'est pas en 16/9, on est en 9/16, c'est à l'inverse, hein, ou 10/16, ça passe aussi, je crois. Ça peut être un simple guide qui partage des connaissances ou un edit de nos commandants, un match-up de nos commandants. C'est très simple, hein, c'est soit vous présentez vos commandants, soit vous faites un guide d'un commandant. Là, à l'heure actuelle, l'idée est quand même, vous pouvez faire soit un guide éclaté ou une présentation de vos commandants éclatée, soit essayer de faire quelque chose d'un peu performant. Moi, si je vous conseille une présentation d'un commandant, c'est forcément un des commandants avec des smite damage. Je vous invite à éviter les derniers commandants de siège qui sont un petit peu éclatés. Un bon candidat pour cette vidéo, ça peut être Herman. Un guide rapide sur Herman. Vous parlez justement de ses capacités spéciales, le fait que c'est un killer en open field et en rallye, et rapidement vous montrer le meilleur stuff archer qu'on peut mettre dessus. Vous avez réellement une vidéo courte, très performante, qui peut être très sympa et faire pas mal de vues. C'est simple à faire, c'est rapide. Vous prenez, il y a plein de solutions hein, pour record. Vous pouvez enregistrer directement avec OBS. Vous pouvez utiliser Filmora en version gratuite. Vous allez avoir un filigrane, je crois, en version gratuite. Après, Premiere, moi, je travaille sur Premiere Pro. Mais OBS, ça fonctionne très bien. Vous faites votre montage en 2-2 et ça sera très performant. Sachant que sur une vidéo courte, vous n'avez pas besoin ni d'intro, ni d'outro. Donc, vous êtes détente. OBS, ça ferait le job et c'est gratuit. Donc, allez télécharger. OBS, ça serait nickel. C'est pas une vidéo sponsor, hein. Je ne touche rien de la part d'OBS. D'ailleurs, OBS est totalement gratuit et n'a rien à y gagner. Les ressources graphiques et vidéos publiées sur nos plateformes sociales officielles pourraient également faciliter votre création de contenu. Donc, en gros, allez chercher des items qu'ils mettent en avant, hein. Ça sera gratuit et vous pouvez les prendre. C'est ce qu'ils essayent de dire, ça sera libre de droit pour vous, mais évidemment, ça l'est. N'oubliez pas d'inclure les hashtags, ça c'est important. Rock Commanders et Rise of Kingdoms lorsque vous publiez le contenu sur TikTok ou sur YouTube Shorts. Deux vrais intérêts à ça pour eux. Le premier, c'est qu'ils vont rechercher votre vidéo par rapport à ça. C'est ce qu'ils vont vous dire. On va taper ces mots-clés, on va rechercher. Et le deuxième, ça sera pour eux, pour les aider à se mettre en avant. C'est ce qu'on peut croire. Non, il faut savoir que la seule intérêt, c'est vraiment de la communication pour eux. De remonter dans les classements TikTok, de remonter dans les classements YouTube sur ces deux hashtags. Là, plus ils seront hauts, plus ça générera de vues et plus ça leur générera potentiellement d'argent. Évidemment, ils distribuent des prix, il faut qu'ils y gagnent quelque chose en termes de communication et de pub. Il faut qu'il y ait un maximum de gens qui participent. Veuillez suivre et identifier le compte TikTok Rise of Kingdom officiel si vous faites du TikTok. En gros, là, ce qu'ils vous demandent, c'est simple, c'est de faire monter leur compte hein, en suivant et vous identifiant dessus. Je ne suis pas sûr qu'ils aient, excepté le faire à la main, hein, qu'ils aient la capacité, après les Chinois, hein, ils ont de la main d'œuvre, ils aient la capacité de vérifier quand vous allez candidater, postuler, la corrélation entre le compte qui va publier un short, le lien que vous allez leur mettre hein, et le fait que vous êtes bien abonné. Ils disent pas que c'est obligatoire. Là, c'est une subtilité. Parce que je ne sais pas s'ils ont le droit de l'obliger ça pour le coup. N'hésitez pas à soumettre plus d'un travail et le maximum serait de 30 soumissions. Là aussi, c'est subtil. Hein. Pourquoi 30? Parce qu'il ne faut pas que ça passe pour du spam de votre côté. Et pourquoi ils vous invitent à en mettre plusieurs? Eh bien, c'est simple, hein, tout simplement pour augmenter le volume. Et vous imaginez comment vous flinguez votre compte TikTok ou votre compte YouTube Short si vous mettez 30 vidéos sur Rock Commander, laissez tomber. En tout cas, c'est le cumul des deux. Hein, ça ne va pas aller au-delà de 30. Veuillez vous assurer que chaque soumission de formulaire Google comprend qu'un seul lien vidéo. Voilà pourquoi ils n'ont pas besoin des deux hashtags pour retrouver votre vidéo. Quand vous allez soumettre hein, le formulaire, automatiquement, vous allez mettre le lien. Donc, ils sauront où est votre vidéo. Si vous souhaitez partager la même vidéo sur les deux plateformes, veuillez soumettre deux formulaires Google distincts. Si vous avez créé plusieurs vidéos, veuillez maintenir la cohérence en fournissant votre adresse email, votre nom d'utilisateur Discord et votre UID in-game dans toutes vos soumissions. Les récompenses de différentes plateformes et différents types ne seront pas cumulées. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas gagner partout en même temps.
une seule récompense, hein, forcément, même si vous êtes multiplateforme. Le résultat final sera annoncé ultérieurement dans la section commentaires de la publication Facebook. Afin de garantir la concurrence loyale, les gagnants potentiels seront invités, bon là je comprends pas, à fournir un enregistrement d'écran, des analyses de données du back-end de l'inscription pour vérifier l'authenticité des données. Là, c'est relativement flou ce paragraphe quand je l'ai lu. Soit ils veulent une capture d'écran quand on a mis la vidéo en ligne. C'est possible, mais c'est pas ce que je comprends. En fait, ce qu'ils voudraient, c'est justement les données back-end, les données d'analyse de la publication de votre vidéo, ce qui leur permettra de voir les statistiques, hein, le taux de clic, le taux d'affiliation, etc., etc. Et donc, intrinsèquement, la performance de votre vidéo. Je ne comprends pas pourquoi ils ont besoin de ça en vrai, si ce n'est étudier votre compte et récolter de la donnée. Moi, ça, je ne le donnerai pas personnellement. Il m'est déjà arrivé sur des plateformes, hein, d'autres de contenu, de création sur d'autres jeux, qu'on me demande l'accès à ces données-là. Je ne les ai jamais données. Récompense de classement basée sur la vue. Ensemble de récompenses distinctes pour TikTok et YouTube. Récompense de classement basée sur la vue. Vous avez bien compris. Si vous n'êtes pas Shizgul, ça va commencer à être chaud de gagner. Le premier à 1000$, le deuxième à 800$, le troisième à 500$. Donc, autant vous dire que ces récompenses-là, elles sont juste pour les gros streamers rock. Mais pas que, puisque imaginez, vous avez une communauté de 2, 3 millions, 4 millions, vous êtes Fuse, vous êtes Fuse Jumper, vous jouez pas à Rogue, vous vous en foutez. Vous vous dites, tiens, je vais me faire 1000$ tranquille, je publie un short, je vais faire 400, 500, 600 000 vues au regard de ma communauté, hein, et je suis détente, je vais encaisser 1000 balles. Bon, 1000 balles pour flinguer un petit peu sa communauté en publiant un truc qui n'a rien à voir, je suis pas sûr qu'ils le fassent, en tout cas, moi, je leur déconseille, mais à leur place, je le lancerai en challenge. Typiquement, vas-y, je lance ce chart-là, allez tous cliquer dessus et je tirerai quelqu'un au sort dans tous ceux qui l'ont cliqué, combien un commentaire. Je tirerai quelqu'un au sort qui gagnera ces 1000$. Ça fait un petit peu de contenu, ça fait plaisir à la communauté. Moi, c'est ce que je ferais personnellement si j'avais autant de followers, hein, que ça et que je jouais pas à Rock. Là, forcément, c'est un énorme qui va gagner. Vous ne pouvez pas avoir accès. C'est dommage. Mais le but de l'élite, c'est justement ça. Faire venir quelqu'un qui a beaucoup de followers, qui ne joue pas à Rock, juste pour encaisser ses 1000 balles. Récompense de choix du personnel. Récompense choix du personnel, pardon. Ensemble de récompenses distinctes pour TikTok et YouTube, encore une fois. Parmi les gagnants classés dans les 50% supérieurs, alors là, je ne sais pas ce que c'est, dans les 50%, dans la moitié des premiers, nous choisirons un élément de contenu de qualité et le gagnant recevra 300$. En gros, il tire au sort dans tous ceux qui ont participé, la moitié supérieure, et le gagnant reçoit 300$, ce qui veut dire que vous pouvez gagner 300$ sans être un gros viewer, sans avoir beaucoup d'abonnés, voire aucun abonné, si votre vidéo est performante et qu'elle fonctionne bien. Parmi les gagnants classés dans les 50% inférieurs, hein, ils choisiront un élément de contenu de qualité et recevra 150$. Bon, c'est pas mal toujours à prendre. La probabilité de gagner, elle est éclatée. Hein. Récompense du tirage au sort. Hein, parmi les 50% supérieurs, 5 recevront 200$. Pareil pour les 50 inférieurs, 5 recevront 100$. Le reste des participants recevront des superbes récompenses en jeu. Donc, quoi qu'il arrive, tous les participants auront des rewards. L'interprétation finale de Rock Short Video Challenge appartient à l'Elite Game. Donc, en fait, en gros, ils vous indiquent qu'ils font ce qu'ils veulent. Au final, si vous n'êtes pas un gros YouTuber, vous ne gagnerez pas les 3 premières places. Mais vous pouvez avoir une chance au tirage au sort très, très faible au regard de la demande qui est faite, hein, et le taux de gain et surtout ce qu'il a gagné. C'est pas très intéressant, ça va demander beaucoup de travail pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du contenu pour vraiment, vraiment quelque chose de très incertain. Mais le but, tout est tourné pour faire un maximum de pub à Rock avec un minimum de coûts. Vous pensez bien, là, si un très gros YouTuber, même Shizgul, hein, si Shizgul faisait un short pour Lilith, hein, il leur facturerait pas 1000$. Là, il est en contrat permanent avec eux. Mais si c'était un YouTuber qu'il faisait venir, un YouTuber qui a 200 000 abonnés, un short
sur Lilith, autant vous dire, c'est plusieurs milliers d'euros qu'il leur demanderait pour faire cette pub et pas juste la potentialité de gagner 1 000 $. Donc clairement, c'est extrêmement rentable pour Lilith. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre ce que vous en pensez en commentaire, votre avis sur les rewards, tant sur la dynamique qui fait que Lilith encourage de plus en plus de monde à essayer de parler du jeu de Rock. Hein. Si cette vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.